Natacha Jouot, jeune artiste, cofondatrice de l'école d'été. Donc là, on va dans le paysage rural à présent, et qui va nous raconter cette expérience et s'aimer enraciné. Du coup, oui, ça marche. Effectivement, il va y avoir des choses à déployer, à manipuler, à lire, à observer, à goûter aussi. Donc je vous invite vraiment, vraiment à vous rapprocher. Il y a plein de places ici, on va venir déployer ce kit. Donc venez, venez près de moi. Ah, je vois qu'il y en a qui ont un petit creux, c'est absolument parfait parce que ça va me servir d'introduction à ce qui arrive. Quand on m'a offert ce moment de parole et de discussion, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais offrir en retour. Ben, je vous ai fait des gâteaux, alors venez, on va les distribuer. Alors il n'y en a pas pour tout le monde, hein. Je suis désolée, il y en a une quinzaine. C'est plus précisément des fortune cookies. Donc, vous savez, ces petits biscuits chinois là, qu'on craque et il y a une surprise dedans. Voilà. Alors, si vous voulez les faire passer, venir en récupérer, prenez, il y en a là. Alors, je suis désolée, ils ont fait le voyage, donc ils sont un peu... ils ont déjà une vie. Hein. Quelqu'un d'autre en veut? Alors, regardez si vous avez des allergies, il y a les ingrédients derrière. N'hésitez pas à regarder. Voilà. Ok, il n'y en a plus. Voilà. Alors comme il y en a peu, bah, justement, il n'y en a pas pour tout le monde. Ça veut dire que ça peut aussi créer des petits endroits d'exploration collective ou commune. Donc n'hésitez pas. Bah, je vais vous laisser un instant les découvrir, le temps que je déploie quelques objets ici, pour préparer ce qui arrive. Alors du coup, peut-être que je vous explique un petit peu comment j'avais le désir de développer cette présentation de l'école d'été avec vous. On va revenir à ces petits gâteaux que vous êtes en train de déguster, mais peut-être que, justement, pendant que vous les mangez, je peux faire une introduction un peu plus globale de qu'est-ce que c'est l'école d'été, d'où ça vient, où ça va. Alors où ça va, on n'est pas trop sûr, mais ça fait partie du principe aussi. Alors du coup, l'école d'été, c'est né d'un autre projet qui s'appelait Traverse et inattendu, qu'a évoqué un petit peu Jean-Paul hier. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'historique pour qu'on puisse assez vite rentrer dans le vif du sujet. Du coup, c'était brièvement un programme qui avait lieu sur 3 ans et qui rentrait en contact avec la Chapelle Fauchée, donc un village en Dordogne, qui avait pour désir justement de co-créer un programme avec des habitants. Donc l'école d'été, ça naît un petit peu de ça. On a été parachuté là-dessus à la fin de ces 3 années de programme de traversée inattendue, avec un autre artiste qui s'appelle Lucas Leclerc, et on nous a donné, ce qui arrive assez rarement, une énorme carte blanche avec un soutien pour créer derrière une autre association, un autre projet qui puisse faire suite à ça. Donc on s'est très longtemps demandé comment on allait se saisir de cette chance-là, et on s'est dit qu'on avait envie de reprendre de cette aventure traversée inattendue ce qui avait fait sens pour nous, à savoir vraiment des sessions de terrain. Donc là, le village dans lequel on intervient depuis 2019 maintenant s'appelle Agonac. Donc c'est un village de 1700 habitants à peu près qui est au nord de Périgueux, une vingtaine de minutes au nord. Et ce village, du coup, on s'est retrouvé là 3 semaines avant l'événement. Ça a été un peu un concours de circonstances. Et on a été accueillis par tous ces habitants et surtout par les politiques, la mairesse et l'adjointe à la culture notamment, qui étaient d'une générosité incroyable et qui nous ont dit « bon, bah, c'est parti, venez, venez, on fait quelque chose ». Alors, on fait quelque chose. Au départ, on ne savait pas vraiment ce que ce serait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à baliser un petit peu l'expérience en se disant, très bien, bon, nous, il y a quelque chose auquel on tient, c'est déjà la création d'un petit groupe assez restreint de personnes qui interviennent. Donc, il n'était pas question qu'on soit 30, 40 à venir. Donc, c'est maximum une dizaine. Ce groupe, on le voulait aussi assez hétéroclite. Donc oui, il y a des artistes, mais il y a aussi des étudiants en école d'art. La première année, il y avait une doctorante en urbanisme sur la question de la participation citoyenne qui était avec nous. Dans l'association, même dans l'organisation de l'association, après est rentré avec nous quelqu'un qui était plus du côté de l'agriculture durable et de tous ces questionnements voilà, sur l'environnement lui-même et sur sa viabilité future. Voilà. Et du coup, ce petit groupe, on voulait qu'il interagisse avec le village, mais surtout qu'il soit...
enfin, on crée un campement. Donc on arrive, la mairie d'Agonac met à notre disposition le club de tennis qu'on voit là. Un peu de temps de latence, mais voilà. Donc ça, c'est le club de tennis. En face, il y a tous les terrains. Et autour, il y a des sortes de petits jardinets qui nous permettent de poser les tentes. Donc ça, c'est vraiment la forme que prend, disons, notre campement. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et à l'intérieur de ce club de tennis, il y a une salle, il y a une cuisine. Et du coup, il y a une organisation qui se fait. Donc il y a toute cette pensée de l'organisation collective de notre vie. Donc il y a un petit planning cuisine et on fait en sorte de s'auto-organiser. Un peu ce que disait Rémi hier, qui m'a beaucoup touchée sur l'auto-organisation. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de fédérer. Et comment, par le simple fait de vivre ensemble, on arrive déjà à faire micro-communauté, micro-organisation, à faire groupe finalement. Voilà, alors je ne vais peut-être pas m'étendre trop, parce qu'après c'est avec les textes que vous avez entre les mains que j'aimerais venir réapprofondir certaines choses. Donc ça c'est, disons, pour la partie enracinement. Donc c'était le titre de la présentation, enracinement et s'aimer. L'enracinement, il est là pour nous, il est vraiment dans ce travail de terrain qu'on essaie de faire grandir année après année, et dans cette recherche de posture vis-à-vis des habitants et de cette co-création. Pas mal. Du coup, brièvement, sur la partie SME, c'est toujours, je trouve, une des grosses questions quand on se lance dans ce genre de projet, c'est-à-dire que ça a une existence temporelle qui est relativement brève, voilà, c'est 10 jours par an sur un temps donné, avec là aussi un nombre de personnes qu'on touche qui est assez restreint. Quel prolongement on pense pour ces choses-là? Comment on en parle? Comment on les documente? Ça faisait partie de nos gros enjeux, et comment on les transmet, pour faire lien avec ce que disait Sylvie juste avant. Comment on transmet tout ce type d'expérience et surtout cette façon de créer. Donc nous, notre désir, alors la branche de l'essaimage, disons, a été moins explorée encore que la branche de l'enracinement. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer, particulièrement à travers cet objet du kit. Donc là, vous ne le voyez peut-être pas, mais alors là, attends, regarde, on peut tourner ça. Tac. Voilà, ça c'est le fond de la boîte en fait. Donc le kit il se présente comme tel. Il y a la partie documentation dans laquelle on va retrouver un petit peu tout notre archivage concernant les sessions de terrain. Donc là je vous ai déployé les photos, mais d'ailleurs n'hésitez pas à prendre, il y a d'autres choses. Hein. Il y a, là c'est les membres du groupe de la première session par exemple. Là il y a des portraits des habitants et des membres du groupe aussi. Là il y a toute la liste des participants qui étaient avec nous la première année. Enfin voilà, il y a des choses à déployer comme vous pouvez le voir. Il y a des maîtres de participants. Là c'était le programme. Voilà, de notre première session. Enfin voilà, il y a des choses à prendre, n'hésitez pas. Du coup, voilà, tout ça, ça va se ranger dans la partie documentation. La partie réflexion, c'est un petit peu tout ce qui se passe entre les sessions de terrain. Donc comment nous, on affine notre posture, comment on fait en sorte précisément de ne pas penser une recette sur le terrain qu'on répéterait de façon un peu mécanique d'année après année, mais comment on arrive à affiner, justement, en extrayant un petit peu tous les apprentissages de ces rencontres et de ces créations communes. Comment on arrive à petit à petit faire cheminer la pensée aussi sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et enfin arrive la zone de la transmission. Alors ce kit, on l'a pensé parce que dans notre idéal, on aimerait bien intervenir en école d'art, parce qu'on trouve que c'est quand même des viviers assez incroyables, qu'il s'y passe énormément de choses, et surtout qu'il y a une force vive qui pourrait être exploitée justement dans toutes ces préoccupations de transition. On en parle beaucoup depuis hier. Transition, d'accord, on en parle beaucoup, on y pense beaucoup, mais à un moment, comment elle s'incarne, comment ça revient dans le corps, et comment les écoles d'art peuvent aussi avoir des rôles à jouer dans ces endroits de transition. Alors nous, on s'est proposé, en tout cas on a proposé, bon, pendant le Covid, c'était pas le meilleur moment pour contacter les écoles, mais c'était un premier pas, on a proposé d'intervenir dans les écoles avec cet objet, et de faire en sorte que cet objet-là, il puisse rester dans les médiathèques après notre passage. Donc il y a, là, vous le voyez, il y a peu d'éléments par rapport à la taille de la boîte qui est un petit peu imposante. Le but, c'est que cette boîte se remplisse petit à petit, et qu'au fil des sessions, il y a d'autres réflexions, d'autres matières et d'autres transmissions. Alors cet endroit de la transmission, il y a pas mal de choses, et c'est vraiment la partie qui est vraiment adressée aux étudiants en école d'art. Alors il y a à la fois des choses très pratico-pratiques, hein, c'est-à-dire comment on monte une association. Voilà, comment on monte une association, comment on demande des financements. On part un peu dans l'idée. Je te l'ai lâché, du coup, pardon. Ah, oui. Voilà, oui, il y a de quoi. Ouais, si tu as des idées, elles sont les bienvenues. Du coup, le but, c'était aussi de pouvoir offrir une base de données ou quelque chose aux étudiants dans laquelle ils puissent revenir. Parce qu'à chaque fois qu'on intervient, du coup, potentiellement, on laisse ça à la médiathèque. Ça veut dire que c'est un objet, ils peuvent y avoir accès de façon. Quand ils le souhaitent, quand ils en ont besoin. Et c'est vrai que finalement, dans les processus en école d'art, c'est des choses dont on ne parle pas forcément beaucoup. Et pourtant, la plupart des étudiants, quand ils sortent, ça fait quand même partie des formes les plus récurrentes de se former en association, de se former en collectif. Et pourtant,
On apprend assez peu, après ça dépend des écoles, je peux parler surtout des pédagogies que j'ai traversées moi, mais on nous apprend assez peu ces formes-là, ou en tout cas, c'est pas les formes qu'on nous montre comme étant des formes d'incarnation de la posture d'artiste principale, en tout cas. Voilà, donc il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses, parce que monter ce genre de projet-là, c'est aussi de l'auto-organisation. Donc là, on va chercher un peu au niveau des milieux militants. Voilà, l'autogestion, c'est pas de la tarte, le titre est assez évocateur. Voilà, donc là aussi, je pourrais vous laisser l'opportunité de regarder après. Là aussi, c'est plein d'outils de réunion, plein d'outils de... Voilà, sur des outils d'organisation et de co-création, de collaboration qu'on peut retrouver dans les milieux militants, notamment. Voilà, donc ça, c'était un peu pour une présentation, pour que vous ayez une idée un peu globale de comment s'articule l'école d'été entre cet enracinement d'un côté et tout cet enjeu de l'essaimage de l'autre. Après, peut-être pour qu'on aille un peu plus loin, vous êtes tombé du coup sur des petits textes pour ceux qui ont mangé les gâteaux. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié de prendre mes notes, donc je vais y aller tout de suite. Et ces petits textes, alors dans l'idéal, j'aurais bien aimé qu'on puisse se faire un petit ping-pong avec ces textes, c'est-à-dire que vous me surpreniez avec ceux que vous avez envie de lire et puis que je vous réponde. Avec le temps un peu limité, ça ne va pas forcément nous permettre ça, donc je me suis permise de vous proposer un petit chemin de fer. Et si vous voulez bien, peut-être qu'il y en a qui peuvent être lus et sur lesquels je peux rebondir pour venir resituer un peu plus en profondeur les enjeux de cet assaut et l'endroit où nous, on a envie de se positionner. Du coup, je ne sais pas qui est tombé. Ben, je peux passer le micro, hein, d'ailleurs, s'il n'y en a qu'un. Je ne sais pas si celui-ci marche. Le premier, si vous voulez bien, la personne qui est tombée sur un texte qui commence par « C'est précisément l'émergence ». Si tu veux bien nous le lire, ce sera avec plaisir. Sinon, je te passe le mien. Ça marche ? Non. Donc, c'est précisément l'émergence d'un temps du commun, protégé des pressions extérieures, qu'il s'agit de cultiver pour se donner les moyens de régie aux stimuli d'une façon recherchée et créative, plutôt qu'automatisée. Du coup, ça, je pense que ça parle vraiment de notre désir dans cette école d'été. On n'arrive jamais avec un programme qui est prédéfini, c'est-à-dire qu'on ne vient pas imposer sur ce territoire à ses habitants quelque chose qui est déjà ficelé. Le but, c'est vraiment de créer avec eux. Donc, on va plutôt penser un contour à cette expérience et offrir un espace-temps qui puisse être assez sécurisant pour tout le monde, assez bienveillant, pour qu'à un moment chacun se sente libre aussi de venir y injecter ce qu'il a injecté. Donc les habitants sont tout autant force de proposition que les membres du groupe qui constituent l'école d'été chaque année. Donc il y a vraiment ces initiatives de par exemple des habitants qui nous invitent chez eux et qui ont des choses à nous transmettre parce que voilà, toute leur vie, ils ont vécu sur, je pense à Jean notamment, ils ont vécu sur un territoire, ils ont repris l'exploitation agricole de leurs parents. Jean a 93 ans maintenant, il a vu évoluer toute l'agriculture, voilà, bah lui, ça fait partie des choses qu'il a envie de mettre en partage à ce moment-là. Bah, il nous invite chez lui, il nous fait à manger, il nous parle de ça. Voilà, ça peut prendre ces formes-là. Après, il y a un biologiste qui est expert de la truffe, Jean-Claude, qui lui nous emmerne comme ça dans des balades où il nous fait de... découvrir la flore locale, donc on s'arrête, on découvre les plantes, on fait des cueillettes, qu'on cuisine après, voilà, ça c'est toutes les formes qui peuvent venir irriguer, toutes les propositions qui peuvent être portées par les habitants. Peut-être un deuxième texte, quelqu'un est tombé sur un texte qui commence par les sociétés de recherche-création. Ah. Est-ce que tu te sens de le lire ou... Avec plaisir, trop bien. Si tu veux bien. Les sociétés de recherche-création dont les linéaments sont en train d'émerger comme tels, aux confins des campus universitaires et des centres d'art contemporain, constituent notre horizon d'avenir, dans la mesure où nous ne pouvons plus nous permettre de déléguer à un petit nombre d'entre nous les tâches essentielles de comprendre nos enchevêtrements de causalité, il n'y a pas de ponctuation, pardon, et d'imaginer des alternatives possibles. Ce n'est plus seulement à l'échelle des grands laboratoires universitaires ou des prestigieuses écoles d'art que ces tâches doivent être enseignées. C'est sur chaque terrain de nos relations sociales et de nos codépendances environnementales qu'elles doivent être quotidiennement pratiquées. Postface d'Yves Citon, etc. Merci beaucoup.
Bon, ce texte-là pose plein de questions et à plein d'endroits, mais notamment cet endroit de... On parlait de dystopie tout à l'heure, nous c'est plutôt à l'endroit de l'utopie qu'on aurait envie de venir s'installer, alors non pas une utopie qui serait lointaine et vers laquelle on tendrait mais sans jamais voir un bout. Là, ça serait essayer d'incarner une forme qui peut-être pourrait être un début d'utopie quelque part. Et il se pose toujours la question de ces utopies, elles sont montées par qui et pour qui ? Et le pour qui, il nous intéresse quand même beaucoup parce que dans ce type d'initiative, on aurait tendance à retrouver aussi pas mal d'entre-soi, si je puis me permettre ces expressions-là, c'est-à-dire qu'on va se retrouver entre personnes qui sont déjà plus ou moins convaincues de ce qu'on met sur la table et du coup, bah, ça va être des moments qui vont être très enrichissants, mais voilà, comment on arrive là aussi à créer des prolongements de ces choses-là et à rendre ça aussi peut-être poreux avec des gens qui seraient... au départ, pas forcément, qui ne se questionneraient pas forcément là-dessus ou qui n'auraient pas forcément l'envie de, voilà, de se questionner. Donc ça, ça fait partie de bah, de nos recherches et de nos questionnements. Ça, j'y reviendrai peut-être un petit peu après, mais dans les intentions de comment on fait un moment pour faire en sorte de faire entrer dans cette aventure des gens qui, au premier abord, ne se sentent pas forcément concernés par la préoccupation de l'expérimentation artistique. Ça va faire partie un peu des stratégies qu'on essaie de développer, notamment sur les différentes portes d'entrée par lesquelles on peut accéder à notre projet. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus loin. Prochain texte peut-être, le troisième, du coup, quelqu'un a un texte qui commence par rendre visible. Ça marche, non ? Mais ça marche pas. Je sais pas trop. Rendre visible, disait Cly, et non pas rendre ou reproduire le visible. Merci. Celui-ci, j'ai peut-être envie de le commenter avec une anecdote. Parce que pour rebondir avec la proposition de Magali hier, quand on voyait cette photo avec les escaliers colorés, et Magali, tu nous disais... il y a des choses sur les photos qu'on ne voit pas, et c'est pourtant la majeure partie du travail. C'est un peu aussi ce à quoi on est confronté, c'est-à-dire que vu que notre matière principale, bah, c'est presque le réel, c'est cet endroit de la perception, c'est cet endroit de l'usage aussi qu'on fait de ces espaces qu'on traverse, et qu'on ne traverse pas de la même façon, parce que ces personnes y vivent à l'année, et nous, on ne fait qu'y passer. Donc les perceptions sont différentes, les enjeux sont différents, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Du coup, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup de ça, c'est Bernadette, du coup, qui est l'agente à la culture, qui, la première année, nous a accueillis du coup, avec énormément d'entrain, et passe la première année, puis passe la deuxième, et c'est qu'à la fin de la deuxième année qu'elle vient nous voir à la fin de la deuxième session en nous disant bah, « il faut quand même que je vous avoue quelque chose, c'est que vraiment au début je ne comprenais vraiment pas où vous vouliez en venir. » Alors je vous écoutais, vous aviez l'air très sympathique, hein, y a pas de problème, on vous faisait confiance, mais vraiment je ne comprenais pas l'enjeu de ce que vous proposez. Et puis on est arrivé au dernier jour, c'est pour ça que ça je voulais vous montrer ces photos-là. Et le dernier jour, du coup, on a proposé la première session une soirée de clôture. Alors on devait la faire en extérieur au départ, et puis c'est avéré qu'ils avaient annoncé de la pluie. Du coup, on n'a pas pu la faire en extérieur, et on l'a faite dans le local technique. Alors, je ne sais pas si vous voyez beaucoup de choses. C'est un aperçu du local technique, flou. Si vous voulez voir, je peux aussi faire passer des photos si vous le souhaitez. Comment ? Merci beaucoup. Et du coup... ce local technique, pourquoi on a choisi cet endroit ? Parce que ça a été un endroit de travail pour nous qui a été mis à disposition, ainsi que tous les savoir-faire des techniciens qui étaient là aussi, pour construire un certain nombre d'objets, comme la bibliocyclette que vous voyez là, qu'on a laissée à la médiathèque après, pour que la dame de la médiathèque puisse se balader, aller rencontrer des gens à d'autres endroits, notamment, mais il y a d'autres choses. Et quand on a demandé à Bernadette de faire ça dans la local technique, elle n'a pas vraiment compris. Elle nous a dit, mais vous êtes sûr, c'est vraiment un endroit qui est sale, c'est un endroit qui est... Et elle nous a avoué qu'en arrivant, c'est là qu'elle s'est dit, ok, en fait, je crois que je viens de comprendre ce qu'ils font. C'est que ce local technique, je ne l'avais jamais vu comme ça. Que là, je rentre dans cet endroit où, du coup, on avait réactivé toutes les décorations Noël parce que c'est là qu'ils les rangent. Il y avait tous des panneaux de déviation qu'on avait mis en scène. Voilà, et elle nous a dit, en fait, c'est là que j'ai compris que ça ne se situait pas à l'endroit où je l'attendais, mais que c'était vraiment à cet endroit de la perception et de la représentation, et que vous m'avez fait voir cet espace dans lequel je passe tous les jours. Et que pourtant, je n'ai jamais osé lui accorder une importance comme là, vous lui avez accordé. Voilà, donc sur le rendre visible, peut-être que la zone de travail ou notre zone de travail, finalement, elle se situe aussi à ces endroits-là. Peut-être la suite, du coup, texte numéro 4, il faut travailler dans l'extension. Il faut travailler dans l'extension. Et là, se produit un basculement. L'artiste n'est plus en attente d'une inspiration qui fondrait sur lui, mais se met en action pour explorer le monde.
Le mouvement de bascule se fait de la verticale à l'horizontale. Le regard suit la ligne d'horizon pour déplacer le travail de l'art et de l'expérience et changer l'échelle des choses. Merci. Du coup, cette horizontalité, c'est une question qui nous taraude beaucoup. Parce que dans nos modes de gouvernance au quotidien, dans ce à quoi on est habitué, la verticalité, c'est quelque chose dont on est plutôt sûr. Et c'est quelque chose qui est posé comme étant normal, normé. Du coup, dès qu'on commence à questionner l'horizontalité, on se rend compte qu'on se heurte toujours à ces habitudes qu'on a ancrées, qui nous ont conditionnées finalement d'une certaine façon. Et c'est ça qui nous intéresse aussi avec la recherche d'horizontalité, notamment là dans la création avec les personnes qui viennent participer, c'est que ça demande une qualité d'attention et de présence sur comment on met les choses en place. Si on n'a pas cette qualité de présence, on retombe inévitablement dans les structures qu'on connaît déjà. Donc pour aller dans cette dynamique d'horizontalité, ça demande vraiment c'est cette qualité de présence qu'il faut travailler, qui est une zone de travail, et la question de la perception qui revient beaucoup, cette question de l'attention aussi. Du coup, ce qui était par exemple cette année assez intéressant dans la posture de l'artiste, qu'on va continuer à explorer un peu dans les textes qui arrivent, c'est que cette année, notre objectif, c'était de créer un film avec les habitants. Donc on a invité pas mal d'artistes et pas mal de personnes qui travaillaient la vidéo, mais de façon assez différente, avec différentes portes d'entrée, et notamment avec des postures qui revendiquaient des postures d'artistes qui, là aussi, n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Donc, par exemple, il y avait Margot Lourdin, qui, elle, fait toute une recherche sur la notion de savoir-faire et qui part du principe que être artiste, c'est avoir un certain nombre de savoir-faire, mais comme on le serait si on était couturier, si on était ingénieur, si on était, qu'importe. Et qui cherche aussi, dans la façon de le présenter et de se présenter, une sorte d'horizontalité pour sortir un peu des stéréotypes et de l'image qu'on peut venir projeter sur l'artiste et potentiellement quelque chose d'un peu sacré ou sacralisé dans le fait de créer ou dans le fait de... Voilà, elle ramène ça à quelque chose de très terre-à-terre. Créer, c'est un savoir-faire, Donc ça, c'est une posture qui a été adoptée par elle. Après, il y avait Guillaume aussi, Guillaume Loiseau, qui aime bien se cacher derrière sa caméra, qui était là aussi avec un autre type de posture, qui lui était plus dans une dynamique de se mettre au service d'eux. Donc il arrive avec son matériel, il arrive avec ses savoir-faire, et c'est pas forcément lui qui va utiliser tout ça, mais il va plutôt les mettre à contribution d'eux pour qu'à un moment, ses savoir-faire puissent se diffuser ailleurs, être emparés par d'autres personnes, comme le matériel, et que ce soit d'autres personnes qui soient moteurs de cette création. Après, il y avait aussi Anne Moirier, qui a traversé cette année l'école d'été, qui était là sur 2 jours, et qui monte une recherche sur la notion d'artiste municipal. Donc elle s'est autoproclamée artiste municipal, et là son travail qu'elle explore pas mal à travers la performance, c'est de se dire, artiste municipal, finalement c'est quoi? Ce serait quoi ses rôles et ses enjeux? Comment il pourrait être lié à une municipalité? Et surtout, quel rapport il entretiendrait avec ses habitants? Du coup, elle a proposé 2 journées où elle faisait des diagnostics artistiques, donc une matinée à la mairie, une matinée à la médiathèque, et un autre moment lors d'un vide-grenier à la buvette, comme ça, de façon plus informelle. Donc toutes ces postures d'artiste, c'est des choses qui viennent nous mettre en mouvement aussi sur toutes ces réflexions de l'artiste aujourd'hui, quelle est sa place, quel est son rôle au regard de tous les enjeux sociétaux qui nous arrivent, de tous ces bouleversements, de toute cette notion de transition qui serait urgente de venir incarner. Quel rôle l'artiste peut jouer éventuellement, alors pas tout seul évidemment, mais dans ces endroits de transition. Alors le prochain texte, c'est un texte d'Adrienne Piper, c'est le seul. Ça commence par « Ce n'est pas l'art ». Ce n'est pas l'art, mais le rôle... Ah, pardon. Ce n'est pas l'art, mais notre rôle d'artiste qui a besoin d'être analysé. Là, je peux vous lire mes notes. À Couty, j'ai dit « Tout est dit, non ?» Et je pense qu'effectivement... déjà pas mal de choses dites à cet endroit-là. Peut-être qu'on peut enchaîner sur celui qui arrive juste après et qui va venir éclairer aussi, qui va servir de pendant à celui qu'on vient de lire. Ça commence par une symbiose collective d'attention. Une symbiose collective d'attention. Une symbiose collective d'attention envers l'événement peut-elle émerger? Si oui, comment le public peut-il être intégré au processus lors d'une certaine phase de déploiement de l'événement dans un rôle autre que celui de public ou de spectateur? 2. En tant que facteur actif et co-causal de l'événement, Manning, Erin et Masumi Brian, pensez en acte, 20 propositions pour la recherche-création. Merci d'avoir lu aussi jusqu'au bout avec la source.
Je pense que quand on commence à questionner la place de l'artiste, inévitablement, on questionne aussi ce qui se passe en face. Donc, si on touche, vu que c'est une relation, en tout cas, on a tendance à le penser comme telle, l'artiste ne crée des pièces aussi pour qu'elles soient vues, pour qu'elles soient partagées. Donc, si on touche à l'un, on touche à l'autre. Donc, comment on arrive à essayer de se saisir vraiment de cette question de façon plus globale et à essayer de, pour repenser la place de l'artiste, repenser aussi la place des personnes qui sont en face de nous. Donc ça, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'événement, on essaie vraiment de penser plusieurs portes d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être peut-être très à l'aise déjà avec le fait de débattre de ça. Donc ça, c'est un des petits événements qu'on proposait cette année. C'était on se retrouve à la place du café du village. Et puis on parle de est-ce qu'on n'est pas tous artistes ? Et si oui, pourquoi ? Débattons autour de ça, très bien. Voilà, donc autant il y a des habitants qui peuvent être très à l'aise avec cet endroit du débat, de la parole et de la pensée artistique déjà. D'autres pour qui ce n'est pas l'enjeu. Donc évidemment, on essaie de penser aussi d'autres endroits pour qu'il y ait des portes d'entrée. Alors des endroits qui passeraient que par le corps. Il y a eu des activités où, par exemple, je propose des cours de yoga de façon systématique à chaque fois que j'y vais. Il y a des gens qui ne viennent quasiment que pour ça, mais ça nous va très bien aussi. Voilà, si eux, ils arrivent à saisir quelque chose à cet endroit-là, ça nous convient. Et des fois, c'est des portes d'entrée aussi pour qu'ils reviennent à d'autres choses. Il y a eu des activités corporelles d'autres types, avec Geoffroy, par exemple, cette année, qui proposait de repenser la façon dont on pense la danse. Donc, il nous a proposé des activités avec les yeux bandés, ou en amont, il nous proposait, dans le bilan de la troisième année, vous allez le retrouver peut-être s'il est en circulation, il y a un schéma qu'il nous avait proposé en nous disant, OK, alors mémorisez, vous partez de cet endroit-là, puis vous fermez les yeux, vous attrapez un t-shirt, puis vous rampez au sol comme si vous étiez un petit animal. Et voilà, il y a tout un parcours comme ça à se souvenir. Donc là, était bienvenu autant les enfants que les parents, que tout le monde. Voilà. Et dans ces portes d'entrée, même à l'échelle d'un seul événement, comme la balade botanique dont je vous parlais tout à l'heure, là aussi on essaie de faire en sorte qu'il y ait plusieurs choses qui viennent la nourrir. C'est-à-dire que la balade botanique, elle commençait cette année par un temps de perception. On s'est retrouvés dans un champ en amont, on a tous fait un petit travail avec les yeux fermés pour essayer de justement revenir caler notre attention à l'ici et maintenant, pour être en mesure après d'accueillir la balade qui arrivait. Après, c'est Jean-Claude qui a pris le relais, justement, avec cette explication des plantes qu'on croisait, de leur récolte. Et puis, dans un second temps, même sur le moment, il y avait un paysagiste aussi avec nous, Bruno, qui, du coup, dans cet environnement qu'on venait de traverser, en portant l'attention sur les végétaux, lui, il a changé d'échelle en nous disant, OK, bah alors moi, je peux vous ramener la vision du paysagiste et vous expliquer en quoi ce paysage, vous faire une lecture de paysage, en quoi c'était avant quelque chose de privé qui est devenu public, comment on arrive à lire tout ça dans le paysage. Voilà, puis l'après-midi, tout ce qu'on avait cueilli a servi à l'élaboration d'un pistou d'oxalis. Donc il y a eu un deuxième temps qui émergeait de ça et qui permettait aussi par l'endroit de la cuisine et de la nourriture, qui est quand même une vraie zone de récurrence dans l'école d'été, je dois l'avouer. Parce que pour le coup, c'est quelque chose autour duquel on se retrouve vraiment tous. Voilà, donc il y a eu ce moment cuisine qui là aussi a permis l'entrée dans l'événement à d'autres personnes. Alors la suite, c'est encore un texte un peu long. Je suis désolée, ça commence par « Bien entendu, les participants ». C'est un peu long, je vous préviens. Bien entendu, les participants conservaient leur stature disciplinaire, leur position dans un champ et leurs habitudes posturales. Cela n'était pas nié. Le but n'était pas de créer une égalisation fictionnel, comme si nous pouvions tout simplement faire un pas de côté hors de la structure. Nous avons tous incontestablement besoin d'une structure, d'une forme ou d'une autre pour notre survie professionnelle et personnelle. Nous prîmes à cœur les avertissements de Deleuze et Guattari sur les dangers d'une déterritorialisation trop soudaine et brutale, et sur la nécessité de sobriété. Le but n'était nullement d'imposer un combat héroïque contre la structure. Celui-ci ne mène que trop souvent à un trou noir. L'objectif était, somme toute, plus modeste: amorcer la capacité de jeu créatif des participants de sorte à les orienter vers l'hospitalité de l'événement même. Cette orientation sur l'événement pourrait donner lieu, espérions-nous, à des mouvements de collaboration créative
véritable, qui se prolongerait par-delà cette phase du processus événementiel. Minin. Merci, Vanessa. C'est la même référence. Voilà. C'est la même référence. Il y a plusieurs textes qui viennent de ce livre-là. Du coup, là encore, ça dit beaucoup de choses, notamment ça parle de cette notion de prolongement, mais ça, je vous propose qu'on y revienne plutôt à la fin. Là, je dirais que, justement, dans ce, il parle de combat héroïque, de tout ce rapport, et finalement d'une simplicité qui est à promouvoir par rapport à ce combat ou à cette lutte d'idées. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on cherche absolument dans nos sessions de terrain, c'est vraiment cet endroit de la simplicité, de l'hospitalité, de la créativité. Comment on arrive à se focus vraiment là-dessus ? Et à partir du principe, surtout, que les rencontres qui se font, elles se font d'humain à humain, avant de se faire d'artiste à couturier, ou enfin voilà, peu importe. C'est plutôt que de voir ce qui pourrait éventuellement nous distancer, de voir plutôt ce qui nous rassemble. Donc, je parlais de la nourriture tout à l'heure, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on se retrouve beaucoup à l'école d'été. Toutes nos sessions, on les commence avec des auberges espagnoles, par exemple. Donc, on se retrouve dans l'espace public, et ça devient un lieu... De retrouvailles ou de rencontres pour les nouvelles personnes du groupe et les nouveaux habitants qui arrivent et qui veulent se joindre à nous. Et c'est souvent de ces rencontres-là et de ces créations de liens que partent toutes les autres créations. Mais c'est vraiment ça, c'est quelque chose auquel on s'attelle et auquel on prend beaucoup d'attention. C'est avant tout créer du lien, créer un endroit de confiance, créer un contexte qui soit favorable à l'émergence de quelque chose qui pourrait après ressembler à une création. Ok, numéro 7. Les projets ne portaient pas sur la propriété. Les projets ne portaient pas sur la propriété, que ce soit celle des produits ou du processus lui-même. Ils ne portaient pas sur la légitimité, ils portaient sur la créativité. Ils portaient, en dernière instance, sur la contagion processuelle, sur la façon dont s'autopropagent des techniques auto-organisatrices et des intensités d'expérimentation collaborative. Nous espérions que les participants en viendraient à percevoir leurs contributions comme des dons faits à la contagion créative. Et c'est aussi issu de 20 propositions pour la recherche-création. Merci. Cette question de la propriété, là aussi j'ai peut-être envie de revenir un petit peu sur les pédagogies qui sont mises en œuvre en école d'art, toujours en parlant de l'endroit où je suis, je le rappelle bien. Donc moi j'ai fait mon cursus de 5 ans dans la même école. Après les autres échos que je peux avoir, c'est d'amis qui étaient dans des autres écoles, mais voilà, j'ai pas pour désir de vouloir généraliser ce qui se passe dans ces écoles-là, je peux parler que de l'endroit où je suis. C'est vrai que de l'endroit où je suis, à part Jean-Paul pour le coup, la plupart des enseignants nous apprennent à être artistes d'une certaine façon. C'est-à-dire la création artistique reste quand même liée à des lieux qui sont identifiés comme étant artistiques. Donc on a l'atelier qui est le lieu de création, on a la galerie, le musée qui est le lieu d'exposition. On a des résidences de recherche qui peuvent des fois, avec un effet un peu foufou, sortir de ces cases-là, mais qui voilà, restent quand même dans quelque chose de très normé. Donc à un moment quand on se retrouve finalement dans des processus comme ça, on vient ébranler quand même un petit peu ou re-questionner toutes ces choses-là, ce qui peut être assez déstabilisant aussi pour par exemple les étudiants qui sont encore en école d'art à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas négligé aussi dans ce type de processus, c'est tout le rapport émotionnel dont on parle des fois assez peu, mais tout le travail émotionnel qui est aussi inhérent à ces choses-là. C'est-à-dire que ça peut être bousculant, ça peut être de vivre 10 jours en micro-communauté avec des gens, c'est pas rien. On est quand même sur des intensités de travail, on se lève la plupart du temps de 8h à minuit, 1h, on est au travail. Alors le travail, c'est pas forcément un travail de création, de production, mais c'est un travail de disponibilité, de rencontre, d'ouverture à l'autre, qui fait que ça demande une intensité de présence particulière. Et que le travail émotionnel, pour moi, il peut pas être exclu aussi de tout ça. Pareil avec les habitants, là je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelle Marc, qui est un habitant d'Agonac, qui a 28 ans, alors qui a déjà un rapport à la création parce qu'il crée des objets divers, il crée des petites motos, qui est assez impressionnante d'ailleurs, des espèces de petites voitures auto-alimentées avec du panneau solaire qui roule du coup de façon autonome. Enfin, voilà, il a un rapport à la création qui est assez fascinant et qui peut dénoter aussi dans le village. Donc lui, il est venu injecter un enjeu aussi dans cette école d'été qui était très particulier parce qu'il y trouvait un endroit de compréhension et de partage qu'il ne trouvait pas forcément dans son quotidien aussi avec les membres de sa famille, avec les amis qu'il a encore au village à ce moment-là. Et tout ça, je pense que c'est à prendre en considération et ça fait aussi partie de ce type de travail-là, de ce type de proposition et de création. On ne peut pas omettre l'aspect humain, émotionnel et ce que ça vient réveiller chez chacune de ces personnes-là.
Voilà, ça me paraissait important d'en parler parce que c'est vrai qu'on ne l'évoque pas toujours ou pas souvent. Peut-être le numéro 8 qui sera ce que je vous propose d'être une conclusion pour peut-être laisser une place après si j'ai pas vu le temps, peut-être que je suis pas... Oh, ok, très bien. Bah, alors un dernier qui commence par la contrainte de l'activation. La contrainte de l'activation fut généralisée à titre de règle contre la description ou le reportage. Ici encore, le performatif fut choisi comme mécanisme transitionnel. Ce qui s'était produit dans une session en groupe devait être réactivé sous une forme condensée pour le groupe dans son ensemble. Si le langage était utilisé, ce devait être un langage qui n'était pas simplement descriptif ou dénotatif, mais qui véhiculait une force performative. Nous nous interrogions sans cesse sur la façon de créer des modalités de transition aptes à capturer non pas le contenu du dernier exercice, qu'il soit artistique ou philosophique, mais son intensité affective, sa force générative. Le défi était de recréer des tonalités d'expérience à travers différentes modalités, de donner à sentir l'intensité de la pensée en pratique. Meaning, Erin and Masumi Brain, pensée en acte. Merci beaucoup. Du coup, on arrive à cet endroit du prolongement à nouveau. Si notre matière de travail, c'est le réel et c'est cet endroit de la rencontre, comment on pourrait penser un prolongement qui ne serait pas inerte ? Donc, on pourrait être dans la documentation tenté, là aussi, de revenir à des formes qui sont connues et rassurantes, cet endroit de la, bah, de la photo, de la vidéo, du livret, de la publication, voilà. Donc, qui sont des zones un peu sûres, mais qui, là aussi, qu'on nous a appris à transmettre de cette façon-là. Mais ce qu'on trouvait assez dissonant par rapport à ce qu'on cherche à créer sur le terrain. Donc on a essayé de se dire comment on peut faire en sorte que ce désir de créer une expérience et une rencontre, on puisse aussi le retrouver dans nos endroits de transmission. Donc c'est un peu pour ça qu'on a monté le kit avec le désir d'aller à la rencontre des étudiants, que ce soit pas quelque chose, un livret qu'on leur propose, mais vraiment un objet autour duquel on puisse se retrouver, on peut déployer des choses, on peut les lire, on peut les commenter ensemble. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec ces petits gâteaux. C'est un moment comment faire en sorte qu'on puisse venir goûter cet endroit de l'expérience et de la coprésence pour créer un moment ensemble et qui soit un moment là aussi où peut-être on retrouve un peu d'horizontalité ou en tout cas d'attention qui nous mènerait à. C'est comme ça que j'ai envie de conclure potentiellement. Je ne sais pas s'il y a un temps ou pas pour des échanges ou s'il y a un désir. Je te laisse. Merci beaucoup, Natacha. Oui, il y a, faut dire qu'il y a à la fois des étudiants, des artistes qui participent, et ça se passe hors période scolaire, quoi, d'inscription. Donc, il y a une association et qui va chercher des fonds pour rémunérer chaque participant. Et ça, c'est une chose qui est importante. Et moi, j'ai eu l'occasion justement d'initier le projet donc de Traverse Inattendue. Et ça a été un dur combat pour faire reconnaître à la DRAC, à des directeurs et directrices d'école, que des étudiants qui venaient hors cadre scolaire puissent être rémunérés. Parce que c'est pendant un temps de vacances, c'est le temps de vacances, en principe, les étudiants l'utilisent pour justement créer une économie qui leur permette de poursuivre. Donc. Et donc, notamment, une des réflexions d'une directrice, c'était de me dire, mais tu ne te rends pas compte, Jean-Paul, un étudiant, sur 5 ans, ça coûte 100 000 euros. Alors, je lui dis, et là, présence d'esprit, je lui dis, mais tu sais combien ça rapporte, un étudiant ? T'es directrice, il y a des enseignants, il y a des logements, il y a des restaurants, il y a des bars qui fonctionnent avec des étudiants. Donc, on ne peut pas se baser là-dessus. Alors ça, c'est un premier point, c'est d'honorer justement la présence et donner cet allant qui permet justement cette coprésence. Le deuxième point, et qui est toujours à questionner, et qui nous concerne tous aussi à un moment donné, c'est la question de la coordination.
Parce que effectivement, tu parles d'horizontalité, mais il y a tout un travail en amont qui est à faire, comme fait Valérie pour nous, pour le bureau des paysages en mouvement. Et ça, c'est une fonction aussi qui a interrogé, à éclairer et à voir comment justement ça draine à un moment donné un certain nombre d'informations, un certain nombre d'hospitalité. Je ne sais pas à quel point j'ai le temps de rebondir sur ce que tu dis. Je ne sais pas dans quel timing on est, combien de temps il reste potentiellement. Ok. Alors, j'essaie de répondre brièvement. Merci de mettre en jeu cette question de la valeur, parce que c'est quelque chose, donc pour la première partie de ta réponse, à laquelle on se heurte de façon hyper régulière avec les demandes de subventions. C'est-à-dire qu'on a quand même un timing, nous, à l'échelle de l'association, où on passe 10 à 12 jours sur le terrain, et après, pendant 6 mois de l'année, on remplit des dossiers de sub. Donc, on est quand même sur des énergies différentes. Et à chaque fois, ce à quoi on se heurte avec les demandes de subventions, c'est qu'on est sur une pensée de la valeur qui est sans cesse quantitative. Donc c'est notre projet va être vu comme viable à partir du moment où on touche un certain nombre de personnes. Il y a toujours cette question de la quantité. Or, dans ce type de projet, la quantité, la question de la valeur, elle se pose autrement. On a du mal à rendre des comptes, à rendre des chiffres, mais c'est plutôt, comme on disait là aussi avec Magali, ces endroits de changement de perception, on ne peut pas en rendre compte dans des dossiers de subvention. Donc ça fait vraiment partie aussi des questionnements de comment on parlait de structure tout à l'heure et comment on arrive petit à petit à faire évoluer des structures. Si vous avez des idées là-dessus, on est plutôt preneurs et preneuses parce que effectivement, c'est une vraie difficulté pour nous, ou en tout cas un vrai endroit de tension et de friction. Après, sur la deuxième partie de la coordination, au départ, on est parti à deux, nous, avec l'école d'été, donc Lucas et moi. Et petit à petit, lors de la première session de terrain, il y avait Agathe Plenizio qui était là, donc qui elle est plutôt sur tout ce volet agriculture durable, qui a été une vraie force aussi sur le terrain. On lui a proposé d'entrer dans l'organisation. Et en fait, on fonctionne pas mal comme ça. Cette année, c'était pareil. Il y a des gens qui étaient hyper enthousiastes, Margot Lourdin et Sarah Laroussi, qui toutes les deux sont plasticiennes, avec des pensées de la posture de l'artiste qui sont à des endroits différents. Pareil, on leur a dit, si ça vous intéresse, rentrez dans le noyau de l'orga et puis venez à l'année avec nous, là où Agathe commence à s'éloigner. Donc on retrouve cet endroit de mouvement et de flexibilité aussi à cet endroit de l'organisation. Et nous, on voit avec Lucas à quel point c'est un bonheur aussi de s'autoriser ça, précisément pour ne pas venir fixer les choses et pas venir... parce que si on veut sortir d'une structure pour en reconstruire une autre, ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc cet endroit de garder un mouvement absolument dans notre façon de faire, elle est primordiale. Et effectivement, ce truc de rendre la coordination aussi ouverte aux personnes qui ont envie d'y rentrer, ça fait partie des façons de garder du mouvement, en tout cas des stratégies que nous, on a pu trouver. Merci. Merci à vous pour votre attention.